Se déplacer. À Joliville, il existe une diversité de moyens de transport très pratiques. Vous pouvez vous déplacer à vélo, en taxi, ou si vous préférez, vous pouvez prendre le train. Avec autant de moyens pour se déplacer, il n'est pas étonnant que les monsieur madame aiment tant voyager. À l'exception de monsieur Nerveux, surtout quand il tombe sur un chauffeur de taxi qui lui fait un peu peur. Please, take me to 1313 Worrywart Lane. 1313 rue des Angoissés, c'est parti. Cramponnez et préparez-vous pour la peur de votre vie. Miss Scary. On second thoughts, I don't need a taxi after all. I prefer to walk home. Ne soyez pas bête, monsieur Nerveux. C'est mon travail. No, really, if you don't mind, I'll get out here. Wow. Or here. Or here. Oh dear, indoor rain. Oh non, les freins ne répondent plus, je ne peux pas m'arrêter. No. Maybe you haven't pushed the right pedal. Oh, mais c'est terrible. Horribly hideous to be exact. Attention, chaud devant, je ne peux pas m'arrêter. Note to self, leaving the house is a terrible idea. Mais non, ça va, je plaisantais. Tell me you're joking again. Je n'en ai pas l'impression. Vous avez raison d'avoir peur. Est-ce que ce n'est pas fantastique? No. Reattach it. Reattach it. Before we're driven to our doom. Là, c'était carrément terrifiant. Pourquoi prendre le bus quand on a un taxi à disposition, dites-moi? I'll never take a taxi again. Only trains and buses from now on. Look out! Ah, vous y voilà, monsieur Nerveux. 1313 rue des Angoissés. Home at last. Merci beaucoup, monsieur Nerveux. À la prochaine. I think not. I've had enough scares and surprises for one lifetime. No birthday cake for the chicken today, huh? Un des moyens de transport les plus prisés pour se déplacer autour de Joliville est le train. Une nouvelle ligne vient d'être inaugurée, le train express de tête en l'air. Monsieur Tatillon, ça va être carrément super! Je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé convaincre de faire ce voyage en train, monsieur Salle. Qu'est-ce que c'est que ce train qui arrive en retard dès le début? J'espère seulement qu'il sera propre et élégant. Moi, la propreté me met mal à l'aise. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cependant, c'est loin d'être mon cas. C'est pour cela que j'ai apporté avec moi un coussin propre pour le voyage. Ça alors, bonjour, monsieur Salle et monsieur Tatillon. C'est merveilleux de vous rencontrer ici. Salut, monsieur Heureux. Vous prenez le train, vous aussi? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup prendre ces bons vieux trains pour voyager. Chaga, 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 chaga. Oh, wow! All aboard! Non, mais c'est fantastique! Ouais, ça, c'est ce que j'appelle en train. Oh non, mais vous voulez rire? C'est ça, notre train? Je m'attendais à monter dans un wagon propre et bien entretenu, avec de vrais sièges. Pas sur une énorme bête recouverte de saleté. Vous parlez de la saleté comme d'une chose négative. Mais ça ne l'est pas!
Voyez plutôt le bon côté, monsieur Tatillon. Ce train n'est pas polluant, il ne consomme que des feuilles et des branchages comme combustible. Wait, you mean elephants don't eat jelly beans? Mais je ne suis pas sûr que les bonbons soient très recommandés pour les éléphants. Oh. On s'abrustit. Climb aboard! We've got a schedule to keep! Chugga, 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 chugga! Non, c'est fantastique! Non, c'est épouvantable! I will be coming through the train to collect your tickets! Please have your tickets ready! Je dois bien reconnaître, monsieur Tête en l'air, je suis en admiration devant votre magnifique train. Thank you, Mr. Happy. And please, enjoy your trip. May I have your ticket, please, Mr. Messy? Ah, mais je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je l'avais encore il y a pas 5 minutes. Je suppose que vous n'acceptez pas les vieux morceaux de fromage? Ok. Génial! C'est du gruyère! Hello, Mr. Fussy. Are you enjoying your trip so far? Non, pas du tout. C'est un cauchemar. J'avais espéré quelque chose de plus civilisé tout de même. Qui soit confortable, bien entretenu, avec des boissons fraîches. Hé, hey, moi aussi, je voudrais bien un peu d'eau. Ça a le goût de... bonbons à la cerise. C'est répugnant. J'exige une serviette, sur le champ. Sorry, Mr. Fussy. I don't have a towel. How about a tea bag? A fuzzy squirrel? A blow dryer? Et où est-ce que vous voulez que je le branche? Wherever you'd like! Enjoy the rest of your trip! First stop, Dillydale Beach! Je ne sais pas ce que vous comptez faire, messieurs, mais moi, je descends ici! J'en ai plus qu'assez de ces moyens de locomotion primitifs! Suit yourself! But I hope you'll ride the Scatterbrain Express again real soon! All aboard! A plus, monsieur Tatillon! Je vous rapporterai un souvenir! Profitez bien de la plage, monsieur Tatillon! Je ne suis pas d'humeur à supporter ces volatiles en plus! De l'autre côté de la ville, M. Grincheux attend le bus numéro 7 pour se rendre à la piscine de Joliville. Et il n'est pas le seul. Ah, bonjour, Madame Bavarde. Bonjour, M. Grincheux. Vous attendez le bus, vous aussi? J'aime beaucoup prendre le bus. Ça permet de parler à plus de personnes en même temps. Et quand on y pense, ça nous fait économiser des mots. Je connais une autre façon pour économiser des mots. Arrêtez de parler. Bonjour, Madame Bavarde. M. Grincheux. Bonjour, Monsieur Bruit. Belle journée pour aller à la piscine. Je ne vous le fais pas dire. Cette journée ne pourrait pas être pire. Ceci est le bus numéro 7. Vous avez remarqué que vous venez de démolir un réverbère tout neuf. Ce réverbère était nul. Et maintenant, si vous voulez aller à la piscine, montez. Monsieur Têtu, sans vouloir vous vexer, j'ai comme l'impression que nous nous dirigeons dans le sens opposé de la piscine. Mais non, pas du tout. Monsieur Bruit a raison, vous allez dans la mauvaise direction, la piscine est dans l'autre sens. Mais non, pas du tout, c'est dans ce sens. Je ne veux pas vous contrarier, mais je crois que Monsieur Grincheux et Monsieur Bruit ont raison, la piscine est de l'autre côté. Vous avez tous tort, vous feriez mieux de vous taire. Ne me dites pas de me taire. Alors ne me dites pas que je vais dans la mauvaise direction. Mais c'est que c'est la vérité. Non, c'est faux. Comment pouvez-vous être aussi sûr que vous allez dans la bonne direction? Parce que c'est moi qui porte la casquette de chauffeur de bus, pas vous. Je me moque de savoir quelle casquette vous portez. Vous n'allez pas du bon côté. Ne me dites pas comment je dois conduire. Monsieur Têtu, il n'y a pas de piscine dans les alentours. Et j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup me baigner aujourd'hui. Avez-vous une carte? Eh bien, figurez-vous que oui. Et selon la carte, la piscine se trouve par là-bas. Votre carte est nulle! Madame Bavarde a raison. On s'est drôlement éloigné de la piscine. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Alors ne me dites pas ce que je dois faire. Maintenant, ça suffit. Têtu, vous n'êtes qu'un pauvre sot à la tête dure. Je me fiche de ce que vous racontez. J'ai suffisamment pris ce bus pour savoir que nous n'allons pas dans la direction de la piscine. Et voici la piscine de Joliville. Attention à la marche en descendant du bus. Merci de nous avoir conduits. Quand vous avez raison, monsieur Têtu. Je sais, maintenant vous sortez de mon bus. Thank you.
Comme vous l'avez remarqué, il y a maintes manières de se déplacer à Joliville. Bien sûr, certaines sont plus appropriées que d'autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est toujours plus amusant de se déplacer en compagnie de ses amis. Je crois bien que quelqu'un a besoin de Gilly Gilly.